Bonjour, nouvelle chanson défi. Et oui, cet été, pendant tout l'été 2019, je crée une chanson par jour que je mets sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Donc, paroles, musique, interprétation. Je m'accompagne avec un instrument accompagnateur, c'est logique. Et donc, je crée une chanson par jour. Alors, je ne prends pas des thèmes comme ça que je choisis un petit peu au hasard dans mon quotidien, pas du tout. Je pars de tes propositions. Et oui, si tu veux participer à ce jeu, il y a deux conditions à remplir, mais elles sont très simples. Être abonné à la chaîne YouTube Armo Chopin et me proposer, ou plutôt m'imposer, 5 mots. Je pars de ces 5 mots et j'en fais une chanson. Alors, bien sûr, il y a d'autres mots dans la chanson, sinon elle serait un peu courte. Aujourd'hui, c'est Laurent qui m'a imposé 5 mots. Laurent est un petit taquin, voici les mots qu'il a choisis. Dithyrambique, usufruit, vélociraptor, climato-sceptique et hydrogéné. Mon Dieu. Eh bien, j'ai quand même réussi à faire une chanson que voici. Tu crois encore aux vieilles histoires qu'on racontait dans les grimoires. L'homme est le plus grand des carnivores, puissant comme un vélociraptor. Tu te crois mystique au-dessus des lois, un dictateur de bonne aloi. Grâce à ta nature dithyrambique, tu t'es engagé en politique. Tu tires profit du monde entier, tu vis tranquille comme un rentier, nu propriété et usufruit, sur ton nuage tu ne crains pas la pluie. T'es diabolique, tu te rends pas compte, ce que tu propages, mais t'as pas honte. Je ne rejoindrai jamais la clique de tes amis climato-sceptiques. J'en ai assez, tu me débectes, cherche pas d'excuses, tu es infect. Moi je voudrais bien te voir crever d'indigestion d'huile hydrogénée. Ma petite chanson est un peu vache, à ma façon je suis bravache. Gueuler ce n'est pas la solution, groupons-nous pour la révolution. Est-ce que toi aussi tu voudrais apprendre à créer tes propres chansons? Ok, tu n'es peut-être pas chanteur, peut-être que tu n'es pas musicien du tout, peut-être que tu n'es pas poète, mais ce n'est pas grave. Premièrement, tu n'es pas obligé d'être chanteur ou musicien pour créer des chansons, tu peux créer des chansons pour d'autres artistes, pour des artistes interprètes, pour des amateurs ou pour des professionnels. Tu peux aussi écrire des textes sur des chansons, sur des musiques qui ont été composées par des gens dont c'est le métier, par des compositeurs. Mais tu peux aussi prendre des textes d'auteur et les mettre en musique. Bref, tu vas être capable de faire tout ça, donc mettre des textes en musique, écrire des textes sur des musiques déjà composées ou créer tout toi-même, paroles, musique et même éventuellement interpréter tes chansons. Alors ce n'est pas du tout un stage pour apprendre à chanter, c'est un stage pour apprendre à partir de quelques idées, quelques jeux de mots, tu vas voir, il y a plein de pistes possibles. En tout cas, on part d'une piste, on développe une idée, on écrit un texte, on le met en musique et ensuite, éventuellement, tu l'interprètes avec ton instrument. Ok ? Voilà, alors comment ça se passe ? C'est un stage en ligne via webcam. Ok ? Donc, on communique en direct, toi et moi. Je devrais dire vous et moi, car c'est un stage collectif en petit groupe. Il y a déjà un élève inscrit, il ne reste plus que 5 places. Pour avoir toutes les dates, toutes les infos sur le stage, donc c'est un stage en ligne, pour avoir toutes les infos sur ce stage, tu cliques sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo, tu vas être redirigé vers une page qui te détaille tout le programme du stage, ainsi que les horaires. Donc tu as 6 jours de stage. 6 jours de stage,
Alors c'est pas 6 heures de stage, hein, c'est 6 jours, ça fait 30 heures de stage. 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Alors ça peut paraître un peu chargé comme programme, mais bon, 5 heures dans la journée, bon, c'est pas trop difficile. Évidemment, il faut que tu prennes le temps de retravailler un peu ce qu'on a fait d'un jour à l'autre. Enfin voilà, c'est une semaine de travail, mais ça va être très prolifique pour toi, car tu pourras faire toutes les chansons que tu veux et faire ce que je fais, parce qu'une chanson par jour, ça paraît complètement dingue. Mais en fait, quand on a une bonne méthode, ce n'est pas si difficile que ça. Ok ? Allez, donc le i comme invitation ou le lien en description de la vidéo. Et avant de nous quitter, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de me laisser un commentaire. Si tu veux participer au jeu et que tu t'es abonné à la chaîne, eh bien tu me proposes, ou plutôt tu m'imposes tes 5 mots en commentaire et je ferai une chanson à partir de tes 5 mots. J'ai un peu de temps cet été, donc profitons-en. Allez, à très vite. À demain pour une nouvelle chanson défi.